Bonjour à tous, ici Amélo Otaku, nous voici pour une nouvelle vidéo découverte gaming sur Zombie Party et en compagnie de Petit Seb. I am back! Salut tout le monde! Ok, donc on va faire une partie en local. Moi je suis là juste pour faire le con. Ça comme d'hab. Alors, je viens juste d'acheter le jeu, donc j'ai que 5 personnages. Alors... Oh, je reprends mon perso. C'est bien ce que je dis. On devrait peut changer les armes. Et c'est en fonction de ce qu'on a acheté. Pour l'instant, on n'a rien débloqué puisque je viens juste de commencer le jeu. Ah, je peux mettre des stats en plus. Est-ce que ça serait définitive? Je sais pas, mais en tout cas, ça coûte de l'argent, donc on a rien. Donc, tiens, tac. Mes sous, bande de bâtards! Mais sous, c'est moi qui te les ai fait gagner, je te signale à la partie. Non, on les a si, c'est le, c'est l'argent qui nous restait quand on est mort. Ouais, bon. Voilà. Ready to go. Donc on a des pets, des chapeaux, les armes, enfin tout ce qu'on veut. À débloquer avec l'argent qu'on gagne quand on meurt. C'est ça. Qui nous reste en fait. Allez, c'est parti. Adventure time. Qu'est-ce que c'est? Ah merde, j'ai lance-grenade. Y'a un max de zombies! Et il y a des mouches aussi. Là, il y avait un espèce de bazooka. Je sais pas ce que j'ai chopé comme arme, mais c'est chelou. Y'a des mouches bizarres. Comme vous pouvez le voir, c'est un jeu assez beau. Hein. Non, à peine. Zombie! Je sais même pas si c'est classifié comme quoi, comme un jeu. Ça pourrait presque être un beat démol, hein. On tape sur tout ce qui bouge. Ah, il y a un petit côté RPG aussi avec la gestion des armes. Ah, zombie de merde. Malheur. Oh, mouche. Ah, il y a un serpent aussi. Le serpent, il nous fait rien. Cool. Alors, il y a une arme là. Ah, il y a le shop qui est apparu vite. Tu viens juste de le remarquer. Oui, mais je viens de remarquer le chrono avant l'avance suivante aussi. Ah, moi j'avais mais en même temps, on a 18 de thunes, enfin, toi t'en as un peu plus. Je me demande si c'est pour justement faire les vagues plus rapidement. Donc après, on va pouvoir améliorer nos armes. Il y a des gros, gros. Donc bien sûr, on a le petit pistolet qui a des munitions infinies. L'artefact hamburger. Je vais prendre cette arme là. Alors ça pétoche. Donc là, on peut augmenter justement nos armes. On va avoir des petits sorts d'artefacts à mettre sur l'arme qu'on veut améliorer. Cool, je reste sur je vais mettre des hamburgers sur ça. Voilà. Là, on va mettre sur le pompe. Tiens. Ça va répartir encore plus les dégâts. Je sais pas ce que j'ai, une rainbow bomb. Une rainbow bomb. Oh, un boss. Boss zombie. Allez, on se le défracte. Ah ouais, il a du PV quand même. Hein. Des hamburgers, je m'en fous. Oula. Il m'a fait trop mal. Ouais. J'ai pris des attaques parce que je le regardais pas. J'ai fait une attaque. De zone. Ouais, mais d'accord, si je reste pas sur toi, ah non. Si on descend à zéro. Bah, c'est un bon. Je peux pas rester sur toi là. J'ai quoi? Attends. Je vais arriver à te sauver. Parce que j'ai envie.
ou pas. C'était plutôt la mort. On se fait un tour de donjon? Ouais, bah ouais, pour tester. Pour faire tester un peu le mode. Eh, regarde, tu vois, le HP que j'ai acheté tout à l'heure, il est resté. Ouais, mais par contre, quand c'est dans le jeu, tu les gardes pas. Ah bon? Ouais, parce que moi, j'avais augmenté ma vitesse sans faire exprès en pleine partie, et ça, je l'ai pas. Ah non, mais ça, c'est les points que tu gagnes, oui, avec tes niveaux. Ouais. Est-ce que, ouais, oh, c'est une potion d'XP. Ah bon? J'ai chopé ça, non? Ah, mais tu vois, mais non, mais regarde. Tu laisses venir le gros gros. Allez, viens vers moi, petit. Voleur de qui, là? Pour la peine, je m'en vais. Alors, ce qui est bien, justement, c'est qu'on peut... Dès qu'on est assez éloigné de l'autre, on peut splitter les écrans. Ça fait que... Bon, par contre, si c'est en plein combat, c'est assez galère, mais... C'est assez sympathique, du coup, de pouvoir séparer les écrans. Pas être obligé de se coller tout le temps. Allez, 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 allez. J'ai monté des niveaux. Moi aussi apparemment. Et pourtant j'ai pas pris la potion d'XP hein. Allez. On a une fleur là-haut qui m'embête. Hop hop hop. Rainbow Bomb. Allez. Donc le donjon c'est par... Par étage. Par étage et l'autre c'est par vague en fait, j'ai l'impression. Ouais, c'est ça. C'est la seule différence. Je pense que voilà. Je pense que quand on a fini un donjon, qu'on va jusqu'au boss, on doit changer de thème. Et ça doit être pareil pour l'aventure. Quand tu bats un boss, tu changes de zone. Un truc comme ça, peut-être. On va revenir un peu quand même. Oula. Oh, une potion d'XP. Ouais, t'en as une toi aussi ouais. Et la potion d'XP... Ah, c'est juste des points d'expérience. Ah oui, ça te file de l'expérience tout de suite et puis c'est tout quoi. Donc autant l'utiliser dès que tu l'as. Ça va, tu t'amuses bien? Qu'on peut péter aussi les arbres qui sont autour de la map. Ah, je dézoome parce que putain, quand on est splitté, ça se quand on est trop loin, c'est abusé. Ouais. Là, je vais revenir vers toi donc. Alors. Il me file une arme bizarre. Un dope du coup. Toujours pétillé. Sticky, sticky. 23 de dommages. Une rune de feu. Toi, t'as une rune pour étendre le rayon d'action. Bon, de quoi est-ce que tu parles? C'est quoi la rune que je viens de choper, la Fear Rate? Fear Rate, c'est quoi, ça veut dire quoi de... Je sais pas, j'ai pas vu choper. Une rune de poison. Fear Rate, plus plus. C'est la... Ça, non, c'est la vitesse de tir. Plus le split, bon, c'est ça. Ça t'en fait du dégât. Pourri que ça fait ça. Moi je l'utilise pas parce que je veux garder pour mon perso hors jeu parce que je pense que ça utilise. Ah oui, c'est le même argent. Ah mais j'avais pas vu qu'il y avait l'escalier juste là. Tu le cherchais encore? Ouais. Ah purée, la map est, même sur la map du boss est différente à chaque fois.
Slime. Vas-y, on va défoncer ta mère, mon gars. Là, c'est ça l'arme que j'ai acheté à la place du Uzi. Lui, il la défonce, la map, hein, par contre. Ouais, j'étais en train de me demander si on pouvait se tirer comme des sauvages, mais apparemment non. T'as fait tomber une potion. On voit pas sa vie par contre. Si, elle est en dessous de lui. Ah oui. Purée, je vous récupère la potion. Pour savoir ce que c'est là. Je pense qu'il y a moyen que tu me ressuscites là. Donc on peut se ressusciter du coup. Vite. Il reste dessus, putain. Ah purée, je suis déjà presque remort. Ouais, il reste plus qu'un point de vie. Eh, on l'a presque eu, hein. Il va me tuer. J'étais coincé, je pouvais plus rien faire. Passe à travers vite fait, là, et... Oh la vache. Et où? Je suis loin, hein. Allez, allez. Vas-y, va ramasser les petites pipiès. J'ai surtout ramassé le loot. Je vais te laisser. Ah oui, j'ai fait exprès de laisser. Faut que je t'en ai un peu. Oh, attends, puis mais c'est mon... Ouais, attends, je suis sûr que... à tester, mais je suis sûr que tu vois par exemple Bullet Sprint plus plus, c'est ça qu'il me faut. Ah, tu peux les balancer. Ah non, ça c'est la vitesse. Oh, t'es fou, t'en as les trois. Homing. Oh, ça c'est obligé, ça va là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et nous on vous dit Matacondo. Faut que je dise au revoir à ce moment-là. Matacondo. Non, t'es pas obligé de dire la même chose que moi. Ah bon, bah, salut alors. Surprise, motherfucker.